wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, my double up, flop, vibrate the whole building, ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo. J'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information mais aussi de secret. Alors dans cette vidéo de secret, je vais vous montrer une voiture secrète. Alors c'est des Américains qui ont fait la découverte récemment. Alors je trouvais ça intéressant, c'est pour cela que je vous le propose. Alors la voiture secrète est la Cheetah. Donc j'ai dû bien évidemment me rendre sur GTA 5 PC afin de pouvoir faire spawn le véhicule en question. Le véhicule en question, c'est une petite remorque. Donc c'est la remorque qu'on peut apercevoir dans le solo, dans une des missions où on transporte des voitures. Le seul petit bémol, c'est qu'à l'arrière on peut apercevoir une Cheetah, mais ce n'est pas la Cheetah qu'on peut apercevoir sur GTA Online. C'est pas la Cheetah qu'on peut customiser. Alors pourquoi avoir mis une Cheetah comme ça dans le solo, sur la remorque, etc., et ne pas pouvoir la customiser comme ça dans GTA Online? En plus, personnellement, je la trouve vraiment stylée. Donc malheureusement, je ne peux pas monter à l'intérieur. Bah si, je peux monter comme ça, mais je peux pas la conduire, je peux pas monter à l'intérieur du véhicule. Mais comme vous pouvez le voir, elle est vraiment différente. On peut apercevoir qu'elle a un toit avec des vitres, etc. Mais cette version là on ne l'a pas sur GTA Online. Alors est-ce que cette voiture serait disponible au Bénis Original Motorwork? Comme vous le savez, au Bénis Original Motorwork, il y a pas mal de voitures qui sont mises comme ça dans le magasin de customisation. Donc on a pu apercevoir la Banshee, il y a aussi la Peyote, mais en dessous nous avons une voiture qui est sous un drap. Alors est-ce que la voiture qui serait sous le drap serait la Cheetah comme on peut la voir ici, car elle y ressemble énormément, la carrosserie et le design y ressemblent énormément, même si la voiture est sous un drap. Et du coup, ce qui nous amènerait à penser que la Cheetah serait une des voitures qu'on pourrait customiser au Bénis Original Motorwork, ça c'est une question que beaucoup de personnes se posent et j'espère que Rockstar vont y répondre très rapidement. En tout cas, qu'on puisse customiser ce genre de super sportive au Bénis Original Motorwork, ça serait vraiment super cool. Je vois bien la Cheetah avec des petites customisations, avec un beau design, etc. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, à me laisser vos avis dans l'espace commentaire car c'est très important, à venir me rejoindre sur ma chaîne secondaire, le lien est dans la description, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.